On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Trottards, ma passion. On se retrouve pour le quintet de vendredi, donc toujours sur le programme de Paris-Vincennes. Un petit quintet, c'est vraiment un petit lot de série. Très très faible, le prix Saint-Pierre-la-Cour, course E, 33 000 euros d'allocation, 2100 mètres, 9 sur la première ligne, 7 deuxième ligne, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est que des ondes. C'est un quintet très très difficile, très très faible, très très ouvert. Donc je vous aurais prévenu, soyez prudents les amis. On va démarrer la sélection, c'est parti, les bases de jeu. En premier soir prono, je démarre du 12. Elorius de Guèze, déféré des 4, Jean-Michel Bazière, driver entraîneur. Nous l'avions pris en cheval du jour le 26 novembre avec, donc c'était Rico, 2100 GPP, qui s'est imposé très très facilement. La grande piste, je pense pas que ça lui pose gros problème parce qu'il a ensuite marché 12-6 sur le tracé proposé pour vendredi. Un peu malheureux sur un 2850 mètres le 8 février, dans un bien meilleur lot. Retrouve un lot, je pense, largement à sa portée. Après, c'est pas un cheval qui a gros de marge. Il a le numéro 12. Devant lui, c'est le 3, El Greco Bello, qui va, je pense, démarrer. Il peut gagner ce quintet-là. Deuxième base, le numéro 2, c'est Enfantin, déféré des 4. Charles Bujon qui est à la drive. Christian, son père, qui est à l'entraînement. Enfantin, cet hiver, sur Vincennes, c'est 4 courses. Premier, deuxième, troisième. Il monte gentiment les échelons au niveau des courses. Il a le numéro 2 qui est pour moi le meilleur numéro sur Vincennes, tout simplement que deuxième ligne, tu bouges pas, tu n'as pratiquement rien à faire. Lui, par contre, c'est un redoutable finisseur, mais il faut qu'il subisse. On passe à mon challenger, troisième, le numéro 3, El Greco Bello, déféré des postérieurs, Bjorn Goup qui est à la drive, Donati qui est à l'entraînement, donc Voltigeur de Myrte ou Roxana de Barbré. 50% de réussite sur le tracé à... Marché 12-6 le jour de Noël avec Rico. Vient de faire une course de rentrée pour préparer ce quintet-là. C'était un bon débouleur, numéro 3, Bjorn Group. Je fonce. On passe à mes outsiders en place de 4e, le 4. Éclair Magique, déféré des 4. Jean-Philippe Monclin qui est à la drive. 100% de réussite, Jean-Philippe et le cheval, donc très très bien. 60% de réussite sur le tracé. 6e d'un très très bon tiercé au mois de septembre, que j'ai pu vous donner en 5 chevaux secs, Eagle Mélois, Enzo Dessart, Eusebio Desripré, Espoir d'Avril, Erasmo William. Je vois pas ce genre de chevaux au départ de ce quintet-là. Fait très bien la vitesse. Je pense qu'il a largement sa place dans le quintet. Deuxième outsider, le 13, Ecovette, déféré des 4, Bertrand Lebeller, driver entraîneur. C'est un cheval qui a marché 11-6, départ volté. Donc l'hiver dernier, donc vous imaginez que si il me refait ce chrono, ne serait-ce que 12, 2100 mètres, départ Autostar, c'est le gagnant. Maintenant, il aura le dos de Jean-Philippe Monclin. C'est un cheval qui a gagné donc son quintet sur le tracé que je vous ai expliqué. Pour l'instant, c'est pas grande forme. Il passe au travers de son hiver, mais les chevaux de Bertrand vont mieux. Je tente un petit outsider. On passe au reste du pronostic. 6e, le numéro 8, Ciel Boréal, déféré des 4. C'est un 8 ans. Donc il affronte les 6 ans. François Lagadeuc qui était à la drive. C'est une course visée. Il vient de nous faire une très très belle ligne droite sur le programme de Rouen-Mocanchy. 5e d'un petit quintet cet hiver, 2850 mètres, petite piste. Voilà, maintenant, moi j'aime bien François, déféré des 4, l'écurie des Essarts. Je fonce. Ensuite, le numéro 5, Destin au Fort, déféré des 4, Christian Bujon qui est à la grille, donc deuxième atout des Bujons. Lui, il y a 3 ans, marchait 13-3 sur le tracé. Depuis, c'est 2 coups oui, 5 coups non, 3 coups oui, 10 coups non. Mais vu que c'est un Bujon, vu que les Bujons savent en général préparer
ce genre de course, 2 sur 3 sur le tracé, j'ai gardé dans ma sélection. Et pour finir en 8ème place, le numéro 6, Domingo Della, déféré des 4, Borodage co-driver entraîneur. Ce qui me dérange, c'est le tracé pour ses allures. Pour moi, c'est pas un cheval, même s'il a 30% de réussite sur vitesse, pour moi, c'est pas un cheval de 2500 mètres grande piste. Voilà. Il reste sur 3 victoires, donc 2 sur Vincennes et 1 au Croisé La Roche. Très très bien, c'est un cheval quand même assez dur. Le seul point d'interrogation, c'est le 2500 mètres grande piste. C'est un cheval qui reste au box. Numéro 10, Angelo Orléman, déféré des 4, Franck Nivard, driver entraîneur. Les chevaux de Nivard vont mieux, lui aussi. Donc j'espère que ça va être crescendo. Très mauvais numéro, aura le dos de deuxième souffle qui est pour moi cuit à ce niveau-là. Sur la droite, c'est le 11, une de mes impasses. Maintenant, dans une longue, je vous dis oui, parce que c'est un cheval qui finit en général bien ses parcours. Mes impasses, le 9, Extra du Châtelet, rendez-vous mi-mars pour un engagement visé. Et le numéro 11, Cyrus Dalchi, fin mars aussi pour un engagement visé. Voilà, le quintet c'est fini. On passe au débrief du quintet de Caen-sur-Mer. Donc avec un 2 sur 4 au pronostic et je n'ai pas le 11. C'est parti, le 2 qui s'impose. Athème, mon nom partant, donc une monte de toute beauté de Maxime Guyon. Bravo à toi, franchement, félicitations. Le 12, deuxième à deuxième base, Golden Rush, fini en trombe, super, bien joué, deux muraux. Le 5, mon challenger, Pierre-Charles Boudot, Moonwalk Step, court très très bien dans un sol plus gras. Je pense qu'il pourra prendre son quintet. Le 8, place de quatrième, mon premier outsider, fini super, donc à suivre dans les tiercés de printemps sur Paris. Et le 11, Foxtine, que je n'ai pas dans mon pronostic, dommage. Ma première base, le 3, Just a Formality, fini 10e, donc avec des montes pareilles, on peut jamais faire l'arrivée, naseau au vent pendant 2500 mètres. D'accord. Et le 15, Coyote Zen, je pense pas que ça a été couru pour faire vraiment course, fini 9e. Je pense qu'il sera sûrement à suivre sur Saint-Cloud. Voilà, nous les amis, c'est fini, on passe à notre cheval du jour. Le cheval du jour, donc pour hier, en réunion 1, course 5, le 3, Vipsy de Guest, 5 gagnants, 20 placés, 2e, coup de 3 au cheval du jour. Une drive de toute beauté d'Eric Raffin, il s'est pas affolé, dommage que Détomin, entrée de ligne droite, se prend pas vite fait sur la droite. Voilà, il dit tiens, je me décale, et puis il y a Rico qui fuse. Je pense qu'ici, à peut-être 20 mètres de plus, Raffin y gagne, mais bon, on touche une jolie place pour cet après-midi, vous savez. Demain aussi, pour vendredi 21 février, en réunion 1, course 3, le numéro 11, Gela de Belouet, 5 gagnants, 20 placés, déféré des 4, fille du champion Rolling Deripré, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Jean-Michel a pris cette jument pour ses débuts, donc qui s'est imposé très facilement sur Neuilly-Pompierre. Ensuite, ça a été Romain Congar et le fils de Jean-Michel Bazir qui l'ont eu. Cinquième pour ses premiers pas cet hiver sur Vincennes. Bon, elle est déjà venue au mois de juin, mais bon, pour cet hiver, finissant cinquième dans un petit lot qui tient la route. La fois suivante, 2100 avec le 15, saute une maille dans la descente. Revient sur un tracé qui est pour moi mieux pour ses aptitudes. 2850 mètres, grande piste, dans un petit lot de série. Jean-Michel de retour, normalement elle ne doit pas sortir des 3, voire limite, ça doit gagner. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous bien sûr demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage, de bons gains. Merci à tous les amis, ciao!